Où sont passées nos chansons d'antan? Ces douces mélodies qui ont bercé nos grands-parents et que l'on fredonne encore parfois aujourd'hui sans pouvoir mettre un visage sur leurs interprètes. Eh bien, ces chefs-d'œuvre, on peut les entendre aujourd'hui grâce à la passion acharnée d'un homme tout à fait extraordinaire, Louis Ribier. Depuis tout petit, j'ai eu cette passion. C'est sans doute grâce à mon père qui m'emmenait à l'époque voir des artistes prestigieux, hein, qu'on pouvait voir à la Galette Rouge, aux Folies Galipettes ou encore aux Chagris. Non, c'est devenu des McDonald's et des fast-food. Oui, enfin, c'est devenu n'importe quoi. Non, mais il y avait à l'époque une humeur saine, une joie de vivre. Et alors, si vous nous parliez un petit peu de Bertha. Bertha. La grande Bertha. La gamine n'avait ni présent ni argent. Elle était au désespoir. C'est pourquoi, à l'âge de 6 ans, elle faisait déjà le trottoir. Lorsqu'un passant lui dit « Tu es moche, tu n'as pas à faire ce boulot », et sans raison, il lui décoche 126 coups de couteau. Personne ne m'a jamais aimé, petite môme de Paris. La vie ne m'a jamais rien donné, et la mort m'a tout repris. C'était émouvant, tout en restant simple et réaliste. C'est pas comme aujourd'hui, on fait du mélo en exagérant les choses. À peine avait-elle traversé la rue, que la gamine au cul de jatte se fit écraser par une charrue, ce qui lui fit éclater la rate. C'était des voix, des vraies voix. À l'époque, il y avait des chanteurs, c'était pas comme des... C'est pas comme maintenant, là, les petites stars idolâtrées, là, les castras, les voix de castras qui se trémoussent. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mick Jagger, les Rolling Stones, Michael Jackson. Ouais, enfin, c'était pas des androgynes qui se désarticulent comme des pantins pour faire tomber les jeunes filles en pramoison. Oui, ce que vous voulez dire. Dans cet endroit mental lassé, je t'ai couvert de mes baisers. Et depuis ton absence, je chante ta romance. Oh mon amour en marinette, chica, chica, chica. Quand tu t'en vas je perds la tête, chica, chica, chica. Ton sourire de la si belle, chica, chica, chica. Et ton parfum qui m'ensorcelle, chica, chica, chica. Et quand je vois tes yeux de velours. Oh ben ça c'était des voix. C'est simple pour moi de lettres d'amour. Oh mon amour marinette, chica 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 chica, quand tu t'en vas je perds la tête. Et, voyez-vous, il y avait à l'époque ce qu'on peut appeler des textes et des auteurs, hein, parce que l'humour de Berlioz associé au merveilleux texte de Gustave Graber, ça donnait quelque chose de détonnant. Hein. C'est pas comme les comiques d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Hein. En France, en vérité, on ne manque jamais d'idées. Si on n'a plus de chauffage, on s'est chauffé au gaz. Et on se prend pour dîner un bon plat de flageolet. Et ça fait du bien. Et même si, ça embête le voisin. C'est vrai que dans notre nation, on manque pas d'invention. Quand on n'a plus de musique, surtout pas de panique. On se fait un vrai festin d'un bon plat de musicien. Et ça fait du bien. Et même si, ça embête le voisin. Paraît qu'à l'étranger, dès qu'ils sont constipés, ils vont chez le docteur. Ah, mon Dieu, quelle erreur! Pour se déboucher le tuyau, rien de tel qu'un plat de feuillot. Et sa tête, ça fait du bien. Mais laissez-moi vous dire une chose. Hein. À l'époque, on n'avait pas des chansons anglaises, hein, enfin des chansons étrangères. On avait des artistes bien français, hein, des artistes bien de chez nous, pas des... J'ai deux amours. Et belle, mais à toi,
Alors, attendez, excusez-moi, ça, c'est, je crois, c'est le fameux Julien Dragoul, ça. Oui, oui, ça, c'est le grand Julien Dragoul. Pardon. Fabuleux artiste. Oui, oui. On l'a quand même accusé d'avoir une certaine sympathie avec l'ennemi pendant la guerre. Non, 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 ça, c'est facile. Ça, c'est ah bon? Encore les racontards, les mauvaises langues. Non, non. Moi, je dis que Julien Dragoul était un chanteur de musical pointe à la ligne. Ah bon. Heureusement qu'il y avait des artistes comme lui pendant la guerre pour nous divertir. Hein, là, bon, bah, bonsoir, et je suis très honoré ce soir, car nous avons dans la salle la présence du maréchal von Ribbentrop, que je salue très bas au passage, ainsi que de nombreuses personnalités françaises. À ce propos, d'ailleurs, les nouvelles du front de l'Est sont meilleures. Vous m'envoyez ravi, monsieur le maréchal. Et tout de suite, pour commencer ce nouvel an 1943, nous allons commencer par une petite chanson qui va nous mettre dans l'ambiance. Alors, tout de suite, maestro. Monsieur l'Allemand, vous êtes ici chez vous, on peut serrer la main, oui car après tout, on est cousins germains. Vous voulez l'Alsace, que voulez-vous que j'y fasse? Vous voulez la Lorraine, ça c'est pas mon problème. Ça fait pas de mal, ma foi, de marcher au pas de loi, pas comme ces abrutis qui se planquent dans le maquis. Ça fait pas de mal, ma foi, de marcher au pas de loi, qui c'est qui mange notre pain, faut dire bien que c'est le Youpin. Allez tous ensemble, ça fait pas de mal, ma foi, de marcher au pas de loi, pas comme ces abrutis qui se planquent dans le maquis. Ça fait pas de mal, ma foi. Bon, il a peut-être fait quelques petites concessions, mais ce que les mauvaises langues oublient de dire, c'est que Julien Dragoul s'est engagé pour une France libre. Ah bon? Oui, la France de la Résistance, dès 1946. Dehors les boches, dehors les boches, retournez-en chez vous, on est ici chez nous. Je vous le dis en face, vive la liberté! Plutôt que de vivre en lâche, je préfère mourir français, je préfère mourir al français. En tout cas, je peux vous dire qu'à l'époque, eh ben, on savait vivre, on savait s'amuser. La tête roulant dans le caniveau, séparé de son corps en charpie. Et que les soi-disant comiques d'aujourd'hui, eh ben, ils ont rien inventé. Hein. Eh mes petites, ça embête le voisin. Salut, tu vas bien?